La suite de Tam Tam Weekend, ce sera avec... Yes, Merci Martin is dead. Oui. Long live Merci Martin. Oui. L'artiste est mort, long live l'artiste, comme vous le dites, vive l'artiste. On a envie de dire joies et misères d'un artiste dans ce reportage qui nous est proposé par Serge Atangana Bissou. Hommage à Merci Martin. Cet homme, c'est Merci Martin. La musique, il est tombé dedans il y a presque 50 ans. Je joue la guitare, mais pas la guitare électrique. Je joue le banjo depuis 58. C'est vrai que je me suis arrêté à Garoua pour un bout de temps, où j'ai rencontré un grand frère avec lequel on a créé le groupe Jazzy Garo, qui signifie Jazz de Garoua. Alors de là, un homme d'affaires togolais qui avait un bar à Garoua, à Maroua, qui est venu nous chercher. C'est là-bas que Los Camaroues s'est né. Né en 1946 dans le pays Nveleu, Merci Martin fait un peu partie des meubles de la musique camerounaise. Une longévité qui en a fait l'idole de plusieurs générations. Pour beaucoup, le Messie du Bikutsi est comme Miles Davis dans le jazz, le chêne qui traverse le temps et les modes. Il y a faire et savoir-faire. Quand on fait bien, on vous aime. Quand c'est du bidon, alors là, ça ne passe pas. Si ça n'est pas bien fait, on ne peut pas vous aimer. Et ça arrive des temps où moi, quand je fais ma prestation, je m'oublie moi-même. Alors bon, je pense à ceux qui m'écoutent. Pauvre Martin, pauvre misère, dit la chanson. Tu creuses le temps, mais fais-tu seulement de bonnes affaires dans ton souci constant de plaire à ce public? C'est déplorable. Parce que c'est lui qui va vous dire, un artiste comme on aime, Pedro, là où il vous dit que lui, ses enfants, mangent tous les jours. C'est bien bon. Mais est-ce que lui-même vit tous les jours? Et avec le fruit de son art, s'il peut le jurer, moi je dirais non. La misère et le dénuement presque total après une vie dans les arts. On serait en football que ce type peut-être serait millionnaire. Mais c'est la musique où le lot de l'artiste se résume en trois choses. Les excès, les femmes et pour Merci Martin, le succès. Le succès, oui. Le succès, oui. Et puis quand un artiste... C'est pas parce qu'on dit que les artistes ne se marient pas. Moi, j'ai ma femme avec beaucoup d'enfants. Est-ce que je me plains? C'est à l'époque où je faisais des conneries. Maintenant, je suis à l'aise avec elle. C'est pas facile. À l'époque, c'était si tu n'as pas le code solide. On ne peut pas avoir quelqu'un comme celui-ci. Mais maintenant, je suis à l'aise. Il n'y a pas de problème pour les femmes de dehors. Je vieillis, mais je laisse derrière moi l'homme et on nous dit et que le ligue me tient, et nous avons que le ligue à boire. La relève, ce n'est que ça, en fin de compte, et à l'état actuel des choses, il va peut-être lui rester. J'ai formé beaucoup de gars. Je peux partir de Bala Rogers à Bokono, Pedro qui est là, et mon témoin. Et le petit Joseph, je ne peux compter que cela. Et il y a beaucoup d'autres que j'oublie même des noms. Ça fait depuis longtemps que je fais cet art, alors là, je pense que j'ai quand même... Il a pourtant des enfants naturels. Mais l'enchantement des années 58, la magie de ces soirées au Septentrion n'opère plus. À l'époque, on était vraiment heureux. Mais actuellement, nous ne le sommes pas. Puisque déjà, Pedro a tout dit en un seul mot. Il y a eu
la Socadra, quand il y avait la SACEM, l'artiste camerounais était heureux. Très heureux d'ailleurs. Merci. Lorsqu'il y a eu la Socadra, l'artiste camerounais était moyennement heureux. Mais il était heureux. Heureux. La Socinada maintenant, la misère a commencé. C'est la bascule de tout. De tout. Maintenant, ce n'est plus. Il y a eu déjà une concurrence. Il y avait une concurrence, la Socadrom, la Socim. Maintenant, nous avons la CMC. Jusque-là, rien ne bouge. Tout ce que moi, je peux demander... Pour entrer dans ta maison, que toi, tu es... C'est-à-dire, ta propre maison, étant producteur technique, tu fais des rentrées de l'argent pour voir quelqu'un comme le secrétaire général, tu remplis l'audience. Il y a des ministres que je vois au Cameroun sans remplir d'audience. Vous mais je vais entrer à la SOCIM, il faut que je demande l'audience. C'est impossible. C'est depuis quand? Vous avez vu ça où? Allez un peu partout. C'est là où je vous ai compté tout à l'heure. Là. Moi, je suis allé au Nigeria. J'ai vu comment vivaient les Sonny Okosom. Les frères Ramson Kouti, ce n'est pas parce qu'ils étaient nés de bonnes familles. Mais à cause de leur guitare, leur micro, leur clavier... Le fait à une carrière menée sur le modèle de la cigale de la fable, le fait aussi à la cacophonie dans la gestion des droits d'auteur. Voici mon fils. Et maintenant, s'il vous ment, là où il est, il se bat. Je préfère faire mais un champ de cacaoyer à mon fils. Que d'envoyer mon fils faire la musique. Que moi, j'ai mangé quoi? Je suis heureux moi-même. Pour que mon fils suive ma trace? Non, monsieur. Jamais. Va pour la nostalgie en lançant cette bouteille à la mer. Car en musique aussi, il existe des « je vous verrai ». La maman Anne-Marie Zier en sait quelque chose. Et le monsieur Martin ne baisse pas encore rideau. Mais je vais avec. Je fais ça. Moi, je veux vieillir dedans. Il n'y a pas de problème. Je vieillis dans la musique. Un tout dernier. Là, vous allez me tuer avec les acapella. Vous voulez me tuer ici. Unbelievable. Look at the house in which Monsieur Martin lived before he died. What an ingratitude to the pillars of our culture, Valérie. C'est très, très désolant de voir ça, de voir qu'un monument comme M. Martin a vécu dans la misère la plus absolue. Paix à son âme, c'est tout ce qu'on a envie de dire, en espérant que les autres artistes vivront mieux. Too bad, but good news for PMS.